sur mon scooter dans Paris. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit: hé hey, madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit: madame, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas faire une gâterie? Ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris. Je réponds: mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde avec une tête de chien de garde, il fait: ouais, c'est pas peur de ma mère ou je te défonce. Je lui réponds: tu calmes Alphonse, je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses? Il me dit: ouais mais toi je te baisse. Je lui dis: ben non justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cellule, ça fait garçon. Et garçon, ma fille, garçon, garçon. J'entends: hé, hey, pense cochonne, quand tu veux, je te prends. C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis: là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec. Redescends ta planète. Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas de poil sur la quéquette. Il me dit: vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je vais t'amener. Je dis: c'est moi qui suis vulgaire. Non, mais là, c'est la fête. Je rêve, pour qui tu te prends maintenant, tu t'arrêtes. Je descends, qui descend, je dis: c'est le bordel dans ta tête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Là, t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Il me dit: non, toi, tu t'excuses, espèce de vieille sorcière. C'est la meilleure, je t'ai donné l'heure, j'aurais mieux fait de me taire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garçon. Et garçon, ma fille, garçon. Quelle honte, il mériterait une bonne leçon. Tu veux jouer, on va jouer, je lui dis: baisse ton caleçon. Tu parles beaucoup, ça manque d'action. Tu m'as demandé une fellation. Tout à coup, Alphonse a une révélation. Il renonce et me dit: ouais, vas-y, c'est bon, lâche-moi, pardon. Je lui dis: c'est bien, là t'as l'air moins con. C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes de cette façon. Y'a un sale problème d'éducation. Pourtant, je suis sûre que t'as un bon fond, il me dit: t'as raison, je me sens tout bidon. C'est mes potes qui me poussent, j'ai la pression. Je lui dis: c'est bon, pleure pas, il manquait plus que ça.